Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour choisir un nom de chaîne YouTube et ensuite comment faire pour le modifier si vous voulez le modifier. On va voir tout ça. Alors tout d'abord, comment faire pour choisir un bon nom de chaîne YouTube? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de sélectionner le nom Lucas avec Heinz. Donc vous prenez pas le nom Lucas Heinz, mais vous faites votre prénom suivi de votre nom de famille. Si vous faites une chaîne YouTube qui est en rapport avec apprendre des choses aux gens ou tout simplement tout ce qui est en rapport outre les jeux vidéo. Pour les jeux vidéo, on va voir que ça va être autre chose. Sinon, je vous recommande toujours de mettre nom, prénom. Enfin, prénom, nom. Si maintenant vous ne voulez pas avoir votre nom de famille, vous pouvez mettre prénom plus votre site ou prénom plus ce que vous faites. Donc, par exemple, Lucas le séducteur, si vous êtes dans un truc de séduction, par exemple. Ou Lucas de FaZe, par exemple. Si vous êtes dans la team FaZe sur Call of Duty, voilà, par exemple. Ok. Donc moi, ce que je recommande surtout de faire, c'est Lucas Heinz. Donc prénom plus nom de famille, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et ne vous cassez pas la tête. Maintenant, si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse sur YouTube, pour le début, vous pouvez faire ça. Maintenant, il faut savoir que si vous faites ça, vous ne pourrez pas modifier le nom après. Donc faites attention. Alors, comment faire pour choisir un nom de chaîne YouTube? Au début, on va vous demander prénom, nom. Donc vous mettez Lucas dans votre prénom et dans votre nom, vous mettez votre nom de famille. Et vous allez avoir du coup ça qui va être affiché comme ça. Maintenant, si vous voulez modifier votre nom par la suite, vous pouvez aller là dans Gérer votre compte Google. Vous arrivez ici, donc j'ai un peu zoomé pour cacher certaines données. Et là, vous allez avoir nom. Donc ici, vous cliquez sur la flèche, juste ici, là. Et vous allez arriver ici. Donc, vous allez arriver ici. Voilà. Donc là, vous pouvez modifier simplement en faisant ça. Voilà, vous voyez, prénom, nom, c'est ce que j'ai fait. Et ça va se modifier. Voilà. Maintenant. Si vous voulez modifier votre nom, donc si vous avez créé un compte il y a plus de 2 semaines, vous pouvez modifier votre nom aussi souvent que vous le souhaitez tant que vous ne le faites pas plus de 3 fois par minute. Voilà, donc ça c'est si vous voulez modifier votre nom. Alors, ouais, et si vous voulez modifier votre pseudo, si vous avez déjà un pseudo, ce dernier est utilisé si vous n'avez défini aucun nom. Et vous pouvez supprimer le pseudo, mais vous ne pourrez pas en créer un autre. Donc par exemple, Lucas de Humbook, je ne peux pas modifier mon pseudo actuellement. Alors je crois que chaque année vous pouvez modifier votre pseudo ou c'est il y a une certaine date où vous pouvez modifier votre pseudo. Mais moi vu que ça fait même pas 2 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube, hein, on peut regarder dans la propos. Voilà, je l'ai créé le 6 août, on est en septembre, donc ça va faire 2 mois. Je peux toujours pas modifier mon pseudo. Mais maintenant, si vous voulez modifier votre pseudo, c'est pareil, hein, vous cliquez là-haut, vous faites gestion de Google et là vous avez le nom, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est que cette adresse email. Donc là vous avez le nom, hop. Vous cliquez sur le nom et là vous voyez impossible de modifier ce paramètre pour votre compte. Donc pour le moment je ne peux pas modifier mon nom. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait pour modifier un nom. Au bout d'un certain temps, vous allez pouvoir modifier votre nom. Enfin, ça change en fonction des mois et des années. Google aime bien changer ses règles, YouTube aime bien changer ses règles. Donc voilà. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le choix du nom de sa chaîne YouTube et comment modifier son nom sur votre chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant, si vous voulez créer une chaîne YouTube qui soit rentable ou si vous voulez gagner de l'argent grâce à votre chaîne YouTube, si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, je vous laisse juste en dessous dans la description un lien qui va vous offrir 1 heure de formation offerte pour vous apprendre à créer un business sur Internet et à vivre de votre chaîne YouTube. Voilà. On se retrouve du coup dans les prochaines vidéos. Ciao.